l'amour que de la misère. T'as tout ça, 180 balles. Voilà, vie à tous les spécialistes Volkswagen. Si ça survit à un démarrage, c'est bien. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. On n'a rien filmé de la conception et en plus, on nous a dit « Ouais, moi, je préfère quand les silencieux, on peut les démonter pour les recharger. Enfin, » j'ai envie de te dire, t'as qu'à bien les faire dès le début, t'auras peut-être pas besoin de les recharger comme ça. Qui c'est qui t'a dit ça? Ouais, il y a un mec sur Insta. Ah. Un mec qui doit être boulanger, pâtissier, et qui a dit « Ouais, les silencieux, fait sur mesure, je préfère quand on peut les ouvrir pour les recharger. » Ok, c'est bien. Voilà. Et est-ce que ce monsieur... Est-ce que sa mère aussi... C'est que quoi, les ça autres. Ah putain, vas-y, on va se faire bannir. Mais non. Ça vous a fait rire, c'était... Ça doit pas être une marque française, je pense. Parce que ton avis, ça veut... tu penses que plus PD, ça a une signification? Est-ce qu'il y a aussi le moins PD avec des cylindres blocs d'une autre couleur? Ouais, c'est une super caisse, j'adore cette voiture. Donc là, sur la... Il avait déjà une ligne un peu bricolée. En vrai, elle était... Je pense que c'était du fait maison. Les soudures étaient pas parfaites, mais elle faisait bien son boulot. Et franchement, le cheminement était bien. Pas grand-chose à redire. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais je pense qu'elle a quelques années et elle a quand même plutôt bien vieilli. Là, il voulait se faire un plaisir... Donc on a refait la downpipe et la ligne en titane avec valve. Downpipe en inox. La première partie est en inox. Alors par manque de place, on a choisi de mettre le système de valve au milieu de la voiture. Dans la mesure du possible, en général, on situe ça à l'arrière, mais là on n'avait vraiment pas le choix. Tiens, si ça marche quand même. On a pris la décision de ne pas faire la sortie bleue. On trouvait que ça collait plus avec l'esprit de la voiture. Est-ce que vous, ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous êtes plus sortie bleue ou sortie pas bleue? Ah, ils sont bons les gâteaux. Ils nous coûtent les gâteaux gratuits, c'est bon. Est-ce que toi aussi, quand tu vas au resto et que c'est gratuit, c'est meilleur? Non. Non? J'aime pas la salade qu'il y a au resto. Donner des, je sais pas moi, des entrecôtes. Garer le Scénic devant le Buffalo Grill. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens c'est un pote qui paye. Ah si, ça oui. C'est bien meilleur. D'ailleurs, je vais inviter Erwan vendredi. Erwan, the glove driver. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Le couscous driver. De toute façon, depuis qu'il est reconverti à l'islam, c'est plus le même. Bah, déjà, il est pas rentré du djihad encore. Bah. Volvo 850 T5, 5 cylindres Volvo bien connu. Et puis, bah voilà. Et après, on a... Si, on pourra peut-être parler de... Je sais pas trop. De L. Enfin, lui. Lui, non. L. Ça, vous aurez un retour sur des voitures qui font de la piste avec des lignes. Depuis 2 ans. C'est une GT3 qu'on a fait il y a 2 ans. Maintenant, on va en reparler, on va la lever. On fait exclusivement que de la piste et qui est tout le temps massacré. Lui, bon, le client, on le connaît bien. Bah lui, il m'a dit... Et il nous dit, ah, je comprends pas, ça fait 2 ans que j'essaye, j'arrive pas à casser le moteur. Ouais. Journée glisse, il m'a dit, tiens, prends-la et fais voir comment on glisse. Et juste, on l'a massacré, il était content. Voilà. C'est utilisé comme ça doit l'être. Merci. Bon allez, vas-y, on la repose, on va démarrer. Fais vroom vroom. On a démonté la Porsche. Donc celle-là, ça fait 2 ans qu'elle roule. À peu près, un petit peu. 2 ans, ouais. 2 ans de circuit, de drift. Il a fait des journées glisse avec. Toi aussi, t'as roulé avec. Elle fait que ça. Il l'a massacré. Elle est pas plaquée, elle fait vraiment que... Et du coup, ouais, il a... Bah du coup, il a deux valves qui... Les valves, elles faisaient du bruit, donc on va les changer. Quand l'inox a la couleur du titane, c'est que ça chauffe. Sachant que, avant qu'on fasse cette voiture, pour la petite histoire, il a eu une ligne aftermarket dessus, qui a duré 6 mois. Par qui a été changé 2 fois en 6 mois, ouais, en SAV. Et du coup, il a fini par nous faire faire celle-ci. On dira pas la marque, on s'en fout. Vous avez qu'à essayer de deviner. La seule contre-indication, c'est qu'il fallait qu'elle fasse pas trop de bruit et si possible sur le conduit le plus libre pour pas perdre trop de chevaux. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Mais ça a plutôt bien marché. Ça marche très bien. Il s'est jamais fait jeter une seule fois. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un coup d'acide partout pour la rendre toute belle, toute propre. On lui change les deux valves et puis voilà, c'est du SAV. Ça repart 2 ans. La GT3 RS, c'est quelque chose quand même. Ouais, ça. Mais je sais pas si Romain, le monteur, il aime bien ça. Il est un peu gay, le monteur. Ah, attends, il m'a envoyé un message là. Il m'a dit, est-ce que ça fera revenir mon ex? Bah non.
Bah non, en fait. Mais tu peux trouver une nouvelle ex avec ça très facilement. Il regarde pour acheter une M3E46. Ah, ça, j'aime bien. Mais ta future ex n'appréciera pas forcément la M3E46. Elle va te coûter. Est-ce qu'on serait pas en train de dire que les femmes sont vénales? Ah, si, si, totalement. Ouh là là, on respecte la femme chez Prowell, pas du tout. Moi, je parie que Cédric, le propriétaire de la GT3, il est super beau quand il est dedans. Oui. Pour la petite histoire, j'ai eu une Porsche Turbo aussi. Et j'étais vachement plus beau qu'avec mon X3 qui a 400 000 bornes. Je sais pas pourquoi. Alors que Rubens, lui, est tout le temps beau. Mais on respecte la femme. Rubens, il s'en fout, il a pas besoin de tout ça. Il s'en branle. Tu veux une femme? Comment? D'ailleurs, l'annonce tient toujours. Attendez, on va mettre son numéro. Alors, en dessous, Rubens, quel type de femme pour toi? Tout. Vivante. Ouais, vivante, c'est un bon début. Ouais, parce que si elle est morte, c'est pas. Si elle est fan de Mercedes. Si elle est froide, c'est pas terrible. Tout. Allez-y, Rubens. Rubens sur Insta, vous le trouverez facilement. Son nom de famille est lié à l'obédience judaïque. Et il sait faire l'hélicoptère, paraît-il. Allez, on va voir. Bon. Ça a tellement chauffé. La je crois que cette on vidéo. On l'a émise à plat, et tellement ça a chauffé, ça a vrillé la plaquette. Je crois que ça, c'est la vidéo du ban, parce qu'on a dit vraiment beaucoup trop de blagues. Bah, ce sera le test. On verra. YouTube, désolé. Ouais, je crois que là, on va au casse-pipe. Allez, c'est parti. T'es abonné à OnlyFans, c'est ça que tu disais, Rubens? Oui, je sais pas combien. Bah oui. Chacha Lopez, Ashley Morena. Ouais. Je connais même pas, moi. Noémie Dufresne. Sophie Reine. Addix Club Sport. Non, voilà. C'est possible qu'il ait ça aussi. Il a pas vu son OnlyFans où il fait l'hélicoptère. Il est sur Mime. Il vend des vidéos de karaté. Karaté tout nu. Voilà, karaté Bushido. Adix, salut. Ceinture noire. Bon, la ligne de la... Noir devant, marron derrière. La GT3. Allez, Romain. Non, mais cette vidéo, on dit beaucoup trop de conneries. Romain, il va en enlever les 3/4. Non, il va rien enlever. Sinon, on le quitte aussi. Voilà. Bon, ça va, il y a déjà sa meuf qui l'a fait. Ça va faire beaucoup. Voilà, une fois qu'elle est nettoyée, passivée, acidifiée, comme vous voulez appeler ça. Ouais, alors ouais, en vrai, c'est vrai que c'est un nettoyage à l'acide, parce que le terme exact, la passivation, ouais, ça veut dire qu'on fait de l'intérieur et l'extérieur, et là on fait pas l'intérieur. Mais bref, bon, passons. Pour une ligne qui a 3 ans, 2 ans et demi, je sais plus. Que de circuit. C'est quand même pas trop mal. Hein. C'est vraiment, faut prendre en compte que c'est vraiment cette voiture vit sa vie sur circuit. Et pas régulièrement en plus. Ah oui, c'est, et puis c'est du vrai circuit, hein, du Spa, même là, du Nürburgring, du Mans. Tu vois, c'est dans les ailes. Et du coup, bah, dès qu'ils se sortent ou quoi, bah, toute la boue va là-dedans et ça, tu peux jamais le nettoyer. Lui, clairement, il s'arrête au Karcher, à l'éléphant bleu et puis voilà quoi. Ah, on a foutu. Lui, Cédric, il est là pour l'emmancher la voiture. Bon, bah voilà, on la remonte, on la rebranche. Je vais lui changer l'électrovanne au passage, même si elle marche encore. Et il faut absolument qu'on filme le son de la Volvo. Ah oui, et on va filmer le son de celle-là aussi au passage. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Faire. Putain, ça t'as vu, ça avait cassé là. Faut que je refasse des petits points. Ah oui. La dilatation. Bah ouais, ça, c'est que ça travaille en fait. Parce que quand la valve est fermée, bah tout est... Ça passe dans toute cette tout est bien rempli là, en fait. Du coup, bah évidemment, ça fait une accumulation de chaleur, ce tube qui est fermé. Et... Qui prend cher. Ouais, mais bon, en même temps, c'est fait pour, j'ai envie de te dire. Mm. Je m'étais bien fait chier à faire le piquage. Bref. Allez. Moi, j'aime bien une fois que c'est passivé, tu vois. Bah c'est joli. Hein. Ouais, je préfère presque ça aux soudures bleues. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Ah bah ça va, ça vit. Il est content. Il est content. Ouais, après, à savoir que ça, les acides qu'on utilise et tout, on l'a déjà dit, mais sur de la ligne aftermarket, faut pas essayer. Nous, on a essayé. On a essayé, ouais. Mais clairement, non. On va pas s'attirer les foudres. Il y en a déjà bien assez. Ouais, allez, on remonte ça. J'ai mis ma casquette. C'est un gars qui me l'a donné, un mec bizarre. Bon, ce sera une fin de vidéo rapide. C'est une vidéo histoire de dire de la merde, comme vous avez pu le voir. Surtout. On en a dit beaucoup, je sais pas ce qui restera de la vidéo. Échappement remis à neuf, comme vous avez vu, ça marche très bien. Ligne Titan à valve, ça marche très bien, tout est neuf. Ouais, alors le 5 cylindres Volvo, c'est cool. Hein. C'est propre, ça se voit qu'il en prend soin. La donne pipe, elle a déjà bleui. Par contre, l'admission et tout, ça fait énormément de bruit. Accélérer une ou deux fois de l'arrière quand même. Tu me donnes la télécommande? Oui, avec les petits baquets de Focus RS. Ouais, ça je trouve ça vraiment stylé. Ça c'est cool. Et en fait, vu que la Focus RS avait le même moteur, bah, ça fait un en hommage. Fait ça va, ouais, c'est... je trouve ça sympa comme clin d'œil. In loving memory comme ils disent. Et c'est aussi super confortable. Alors il y a la Porsche qui chauffe à côté, vous nous en voudrez pas. Vas-y. Ouais, on entend.
s'entend pas trop le on-off de derrière. Bah, sans rouler, ouais. Ouais, après en roulant, ça s'entend vraiment beaucoup. Et ça devrait passer sur circuit en plus. Ouais, je pense. Alors que la GT3. Bon, éteins là. En plus, il y a plein de tout petits compteurs et tout, ça fait. Non, ça, j'aime pas du tout. Ça fait racing. Ça, je suis désolé, j'aime pas du tout. C'est H. Alors après, vous choisissez. Non, ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas de choix possible. On sait très bien que tout le monde prendra la GT3. Oh. Tac. Qu'est-ce que c'est, allez. Gros, ça là. Ouais, bon, la Porsche, quoi. Après, là, ça monte quoi à 3000 tours et... Alors qu'après, sur le circuit, bien évidemment, on voit rien avec ce putain de stabilisateur. C'est vraiment un truc de con, ça. Allez, 9000 tours, là. C'est bon, c'est fait. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bah, Cédric, je te la prends. Hein. Ouais, franchement. Que vous aimiez ou pas cette voiture, j'espère un jour que vous aurez tous la chance d'en conduire une parce que bah c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Voilà. Je ne sais quoi dire de plus. Grip and Drift Club. Ouais. C'est leur petite page Instagram, je crois. Il a sorti avec ses potes, tranquille. Voilà. Bon, allez, au revoir, monsieur. Bon, fin de journée. 6h17. Putain. Depuis 5h du mat, on y est. Quelle galère. Bonjour, monsieur. C'est vous, Farine de Blé? Farine de Blé, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. Je suis un peu bronzé. On m'aurait menti du coup. Putain, je le verrai peut-être un jour cet enculé, je sais pas qui c'est. Paris Tuning Show 2024. Voilà, vous avez vu les coulisses d'une story Insta. Alors lui il est con, du coup il a entendu ça dans le poste et il croit qu'il vient de leur dire. A ton avis si je la remets. Oui bah c'est un stagiaire. Non, le problème c'est qu'il va recommencer plein de fois. Il va recommencer. Non, ah, c'est bon. Bon, bonus de la vidéo d'avant qui est pas finie, qui est pas finie. Bah en fait on a fait la même, c'était la semaine précédente qu'on a fait la turbo. Oui. Et là on a fait la même en atmosphérique. Donc sans turbo, et le son est encore mieux. Et ça, ce sera une prochaine vidéo. Ça c'est pour les conflits... Israélo-palestiniens. Non. Non, parce qu'ils ont les moyens d'avoir des drones. Non, c'est plus en Ukraine ça. Là ouais. C'est pour aller se rouler dessus voilà, entre Russes et Ukraine. Du coup, c'est dit bonus, on vous met le son de la Volvo 5 cylindres Atmo. Attends, on va faire fermer et ouvert peut-être. Allez, on va fermer le travail, ça va. Allez, vas-y, accélère. Stop. C'est ouvert maintenant. Ah, ça fait un beau son quand même. Bon, vous voyez. Est-ce qu'on refait une deuxième fin de vidéo? Quand il y a cet autocollant là. 24 heures du Mans, angle mort. Pourquoi il a fait ça? Bah, c'est Volvo. C'est nous, le seul mec qu'on connaît en Volvo, il est un peu... Ouais, et elle a 410 000 km. C'est vrai qu'elle est... Elle est relativement propre quand même. Même à rouler, elle est saine. T'as vu, c'est écrit que dedans, il a un arbre magique. Au cas où. Bon. Il a même une pistache dans l'arbre. Ça va, pistache? T'es fan de ce genre de véhicule, pistache? On l'entendra pas, mais elle dit franchement, je préfère ça à Patricia. Bon, de toute façon, même avec le micro, on l'entend pas beaucoup, il marmonne, pistache. Allez, sur ce, c'est une vraie fin de vidéo. Voilà, et puis, portez-vous bien. Clic, photo mentale. Que de la bouzette.